Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end. On continue dans cette magnifique zone qui est un enfer de contamination. J'ai rangé, j'ai passé, je crois qu'il s'est passé 2 jours. On est en pleine journée, mais par contre il y a le, comment ça s'appelle, le brouillard. Donc du coup, évidemment, haha, on a l'insomnie, mais c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Je me suis préparé tout ça, j'ai même bu une tisane. Maintenant, je commence à prendre l'habitude en fait de faire ça, si on en a vraiment beaucoup des tisanes, vu que je l'ai découvert cette année, du coup, que en fait le repos amélioré ne partait pas tant que vous dormez pas. Je sais, je le savais pas pendant très très longtemps. Donc du coup, maintenant j'ai pris l'habitude de faire ça. Donc je me suis préparé pour ça. Et on va donc se balader un peu à l'extérieur, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mines, beaucoup d'intérieur et tout. Donc je me suis dit que cette fois on allait faire un peu d'extérieur. On va aller sur la partie droite de la zone. Je vais vous montrer en même temps. Donc j'ai fait un peu le tri de ce qu'on a. Donc ça c'est tout ce qu'on a. J'ai mis des cartouches ici. J'en ai une seule sur moi à 100%. Et après j'ai le masque. Le masque il est... Bah, vous voyez quoi, il y a un quart, un tiers, pardon. Il y a un tiers, donc ça va. Ah, très bien. Un tiers plus une cartouche entière. Voilà, si vraiment on a besoin de l'utiliser. Donc ça c'est l'équipement qu'on a récupéré. Ça c'est mes bottes. Ça c'est le gilet. On n'a pas besoin du gilet. J'ai récupéré un peu plus de boyaux. Vous voyez, parce qu'il y avait des... attendez. Ah mince, faut qu'on re-rentre, pardon. J'ai récupéré quelques boyaux qu'on a fait aller à... Bon, j'arrive plus à faire des phrases, ça y est, j'ai tout donné, genre les 30 premières secondes, ça y est, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de phrases, ça va plus être que des mots séparés. Non, mais sinon j'ai récupéré plus de boyaux des loups qu'on avait tués en fait. Je vais prendre... Je sais que notre travail est à 50%. Donc, je sais pas, oui, on va le faire, oui. Ouais, on va le faire. Ça nous fait quoi? 38 kilos, ça va. J'ai une dizaine de flèches sur moi. Parce qu'en fait, il faudra peut-être le réparer si on l'utilise beaucoup. Donc je préfère avoir tout sur moi. Donc il est là, il a 54%. J'ai tout rangé. Vous voyez, j'ai tout rangé. Alors, je crois qu'il y a un problème ici. Vous voyez que là, je suis protégé du vent. Si je me mets là, on est protégé aussi du vent. Mais j'ai l'impression en fait que si le vent vient de ce côté-là, il protège plus du tout en fait. En gros, il s'engouffre dans le, on va dire, dans le truc. Ou alors c'est juste mal codé évidemment. Mais il s'engouffre et en fait il va souffler. Donc il n'y a aucun des feux qui est protégé. Par contre, un feu qui est protégé que j'ai remarqué, c'est celui-là. Et du coup, j'ai dormi à l'extérieur en fait. Plusieurs fois pour éviter d'avoir. En plus, j'ai mis un gros feu. Hein. J'ai mis plein de bois et tout ça. Enfin, vu que je suis niveau 5, honnêtement, j'ai pas besoin de beaucoup de bois. Mais voilà, fallait que je teste. Et celui-là, ça va faire 24 heures, je crois, qui flambe. Donc, ouais, là, il est bien protégé à l'extérieur. Et du coup, j'ai mis donc mon. Je l'ai sur moi, oui. J'ai mis le sac de couchage, genre à l'extérieur, genre autour de ça. À l'extérieur, là. Genre, je crois que je l'ai mis là. Là, on arrive à le mettre. Et j'ai dormi, comme ça on n'a pas le mal de l'enfermement. Donc ça c'est complètement soigné, il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne, et le feu a jamais tombé en fait. Donc là j'ai rangé un peu les choses qu'on avait. On avait beaucoup de tissu au final, on en a 80. Donc j'ai mis ça aussi, comme ça c'est pas par terre. Il y a les livres ici. Ici j'ai rangé les choses en fait, tout simplement. J'ai un peu rangé les choses. Puis voilà quoi, on a 3, 4, 5 jerrycans. Donc ouais, ça se passe bien, honnêtement ça se passe bien. Là j'ai mis donc la gourde isotherme, donc ça c'est des 125 de calories. Et ce qui me reste dans l'inventaire c'est des 100. Je crois que c'est tous ceux qu'on a trouvés en fait. Pareil, non les cafés peut-être pas, non les cafés c'est des 125, il n'y en a qu'un seul qu'on avait trouvé. Ou alors j'en ai deux, mais j'en ai pris un je crois pour redescendre la corde et tout ça. Les tasses de tisane, on en a 3 à 100, donc on va peut-être les utiliser. Et après le reste, il y a ça aussi qui est à 100. Alors je me suis dit que j'ai fait des tests un peu. Des gens disent qu'on peut, enfin apparemment le Wikipédia dit qu'on peut chauffer ce qu'il y a à l'intérieur en le mettant à côté d'un feu. Enfin on peut utiliser un feu pour le chauffer. J'ai pas vu ça du tout. Donc on va voir. J'ai tout rangé sinon. Puis voilà quoi. On va prendre ça. Je pense pas qu'on va... On va peut-être un tout petit peu prendre de bois. Par contre, les torches, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, très bien. L'eau, j'en ai... L'eau, j'ai 1 litre. On va prendre 2, 3. Et après, 1, 2, 3. Je vais voir un peu.
Donc oui, je comprends pas. Apparemment, le Wikipédia dirait qu'on peut tout chauffer. Non, non, il n'y a pas. Hein. On peut pas. On peut pas. Et si, attendez, je suis en pente là. Si on le met à côté, ça fait strictement rien, hein, comme j'ai testé. Hein, donc ça marche pas. Hein. Vous voyez? Il n'y a rien qui se passe en fait. Non, non, mais on peut pas. Hein. Donc voilà, ouais, si la personne qui m'a dit ça, bah, le Wikipédia est mauvais. Donc on peut en mettre 8 du coup. Ça m'embête un peu honnêtement, j'aimerais bien qu'on en ait un de plus. Rien qu'un de plus, juste pour, pour bloquer ce carré là qui manque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors on va enlever... Parce que je voudrais terminer d'abord les... Alors, 100, 125, 125, 100, on a combien? Putain, j'ai pas regardé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il m'en faut un de plus. Voire 9 parce que je... Non, 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 pas 9 parce qu'on va utiliser un café. J'ai un café à 100, voilà, très bien. J'aurais dû me... J'ai mal fait, j'aurais dû tout simplement mettre à côté, enfin c'est pas grave. On va faire ça rapidement. Alors c'est pas le feu le plus facile à placer, hein. Je vais être honnête. Hein. Enfin non, pardon, non c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas le feu le plus facile à utiliser parce que c'est en pente. Pour vous c'est chiant, pour les aliments c'est chiant, pour tout ce qu'il y a c'est chiant en fait. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9, le café, ça sera le 9e. On va le prendre directement avant de partir. Donc je voudrais aller donc par là, le chemin de fer là. On va le suivre. Et on va faire ça. J'en ai 7 de charbon. Ok, nickel. Donc voilà. Là c'est bon ou pas? Tout le monde est bon. Ok. J'ai vu un truc aussi un peu assez intéressant. C'est que apparemment les choses qui sont froides, si la gourde isotherme en fait, attendez que je fasse pas de conneries, voilà, si la gourde isotherme, elle a du chaud à l'intérieur et que vous mettez quelque chose de froid, la chose que vous mettez va se chauffer en fait. Alors je sais pas si c'est bien pensé ou pas, je suis pas. Honnêtement, je sais pas. J'imagine que dans un sens, oui, parce que techniquement, si vous mettez un liquide, genre un liquide froid, et que vous mettez genre un plus gros volume de liquide qui est chaud, le liquide froid va chauffer. C'est logique. Mais je sais pas exactement si c'est pas plutôt une exploitation de faire ça. Après, par contre, ça restait vraiment pas longtemps froid. Parce que si on regarde ma gourde là, genre la barre, elle doit être extrêmement haute. Ouais, voilà, elle est extrêmement haute. Alors que si vous prenez genre une tisane qui est chaude, la barre va être petite. Donc la barre change par rapport à combien de choses sont chauffées à l'intérieur. Donc ouais, y a ça. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Bon, on voit pas grand-chose. Après, j'ai dit qu'on allait à droite. Mais le problème, en fait, c'est qu'on a aussi la radio. Alors, normalement, la radio, je crois qu'elle fait un son quand on détecte quelque chose, on est d'accord? Si je dis pas de conneries. On n'a pas besoin de la sortir. Normalement. Donc si jamais on détecte un truc à gauche, à la place de la droite, on y va. Hein, évidemment, évidemment. On est là pour aussi faire la mission, un jour ou l'autre. Je sais pas du tout comment elle fonctionne. Je sais pas où elle commence, surtout. Mais ils disent qu'il faut explorer, voir s'il y a des traces de survivants. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Mais vu qu'on n'est pas allé à droite, j'ai envie d'aller à droite en fait. C'est tout simple, voilà. C'est ça mon explication de pourquoi on va à droite, quoi. Alors après, c'est pas vraiment le bon moment pour cartographier, parce qu'on voit strictement rien. Donc ça, c'est un peu autre chose. Par contre, l'endroit, il était où exactement? Parce que maintenant, on ne voit plus rien et je connais pas vraiment trop la zone. Je crois que c'était avant ça, hein, avant le mur. Pour l'équipement, sur moi, j'ai mis les bottes.
chimique évidemment, comme ça si jamais on rencontre encore du produit chimique on peut passer dedans sans problème. Donc ouais. J'aurais dû manger, je suis même pas plein, j'ai complètement oublié. On va pour l'instant utiliser des torches, si jamais on doit faire un feu. C'est juste pour vraiment rester le plus chaud possible. Ouais, on est bon. Le plus chaud possible. Entre les boissons et tout ça. Et j'avoue que là, le thermos va faire un test, en fait. Donc là, on a mis au maximum, donc c'est-à-dire 8 objets, 8 tasses, qui sont chaudes, qui sont chauffées en même temps et tout ça. Donc la barre est extrêmement haute. Donc on va voir un peu combien de temps ça dure. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de, de graduation ou quoi que ce soit. Je crois que la tempête s'est arrêtée. Hein. Ouais, je crois que la tempête s'est arrêtée. Ouais, d'accord. Bon, bah, voilà. Ça a l'air d'aller vite quand même, en fait. Alors, là, on a un produit toxique. Ouais, enfin, c'est un peu pourri si ça va aussi vite, au final. Merde. Que je suis dans le toxique. Je l'avais pas fait celui-là. Ok, go go go. Faut que je... On va se mettre en hauteur. Faut que je vois. Est-ce qu'il y a des cadavres ou pas? Genre là-bas, là. J'ai l'impression qu'il y a un truc. On est à 16%, il faut faire gaffe. Bon, par contre, on n'a rien abîmé, donc ça va. 41, ça va. J'ai l'impression que ça se refroidit vite. Hein. Ouais. Alors, attendez. On n'a pas de jumelles, donc je... Non. Je pense qu'il y a des... tonneau et tout, mais c'est tout en fait. Un truc qu'on peut faire, ce serait ça, à la limite. Je pense qu'on aurait vu, elle aurait dessiné, je pense, un cadavre si on avait vraiment un. Oh, ça on prend par contre. On prend. C'est bien ça. Donc on peut monter. Il y en a beaucoup. Ça va être pour faire un travaux en gros. J'avoue que là je voudrais bien sortir. Enfin non, pardon, pas sortir, mais rentrer en fait. On est à combien? 46. Ah, toxique. On va passer par là. Nous on risque rien parce que je pense qu'on va devoir se reprendre un peu de toxique si jamais on veut repartir. Qu'est-ce qu'on fait avec les bois? On les garde sur nous ou on les dépose au sol? On est en train de me demander là. Quoi ça? Attends, mais ça c'est... Ah non, mais c'est les rails. Je me suis dit, il y a peut-être des maisons en haut du coup, parce que c'est... Ça a l'air d'être détruit, ça a l'air d'être tombé. Mais en fait non, je crois que c'est des rails. Des rails détruits en fait. Après c'est possible du coup qu'il y ait quelque chose en haut. Non mais les bois, je vais les garder si jamais on reprend pas le même chemin. J'ai regardé le forum de Steam, beaucoup de gens ont des problèmes avec cette zone. Honnêtement, je pense que maintenant, si vous avez regardé tous les épisodes d'avant, je crois que j'ai démontré que nous, on n'avait pas de problème. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour... genre... pour trouver des solutions par rapport aux problèmes de la zone. Entre les loups, entre le toxique et tout. Donc je la trouve pas très difficile. Tant qu'on est préparé, en fait, ça se passe bien.
J'aime pas trop les monter comme ça. Faut que je mange mon troisième steak là, comme ça on sent rien parce que ça c'est un problème. Ok, très bien. Fais voir un peu. On est déjà à la moitié. Mais dis-moi, ça a l'air un peu nul, le thermos, là. Non ? Du coup, là, on pourrait encore tomber sur des loups toxiques. Donc là, nous, on a fait ça. Là, on est sur les rails principaux. C'est quoi, ça ? C'est un cadavre ? Non, c'est pas un cadavre. Je pense qu'il y a des loups juste devant moi. Ouais. Je les ai entendus. Hein. J'aurais bien voulu... Attendez. Ouais non, c'est trop tard. On va combattre. Vas-y, viens, ramène ta fraise. Il y en a deux autres. Alors vas-y, viens, dépêche-toi. Ok, cool. Oh, il y a un camp, là. Intéressant. Toujours se mettre sur un terrain plat, hein, évidemment, pour éviter les zigzags. Steady! Fire! C'est très simple, c'est comme à l'époque, à l'armée. Genre avec les mousquets et tout ça. Genre les mousquets, ils étaient vraiment pas précis du tout. Genre, je sais pas, genre à 20 mètres, vous touchez plus rien. Oh, mais il y a des maisons, tiens. Et du coup, il fallait attendre. Et ça, c'était le commandant de la troupe qui disait quand tirer. Mais en gros, là, c'est la même chose. Faut attendre de les avoir dans le blanc des yeux, sauf que leurs yeux ils sont verts, mais hop, headshot. Parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué sur le forum de Steam, les gens ils arrivent pas à les combattre. Parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop violents, trop agressifs et tout. Bah ouais, mais bon, va falloir s'entraîner les gens, au lieu de tout le temps utiliser vos torches là pour leur faire peur. Ça m'a fait un peu marrer voir les gens qui se plaignaient de ça. Genre qui disait que la zone était trop difficile. Il y a un truc, là, on est d'accord. On va rentrer. Pour se réchauffer. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a beaucoup de combats à faire en fait ici. Il y a beaucoup de combats. Moi ça me dérange pas, moi je kiffe en fait. Ok, on a chaud. Très bien. Très très bien, très très bien. Par contre, je suis un peu gêné par ça. Waouh, t'es sérieux? Alors attends. Il est où le sang? Sang. Boire. Enfin, quoique, on est dans des bâtiments, ça sert strictement à rien ce que je viens de faire. C'est pas grave. Oui. Celui-là il était froid, maintenant il est devenu chaud. Mais bon, là normalement tout va devenir froid, j'imagine. Ah, j'ai oublié. Désolé. Quelqu'un a montré que j'avais loupé un Polaroid aussi. Faudrait y retourner. Ah, oh, j'ai complètement zappé. J'étais tellement occupé à vous à expliquer tout ce qu'on a fait. Alors, c'est quoi ça? De nouvelles opportunités sur le marché de l'uranium. Donc quoi, ouais, ils ont utilisé de l'uranium ici. De plus en plus d'opérateurs miniers canadiens se tournent vers l'uranium malgré les problèmes de permis et le manque de capitaux qui ralentissent toujours la croissance du secteur. Plusieurs projets ambitieux sont déjà en route et d'autres ne devraient pas tarder à voir le jour. Les autorités n'hésitent pas à sévir contre toutes les opérations non autorisées. Cependant, au fil des crises énergétiques, de nombreuses mines semblent avoir décidé que l'extraction d'uranium est une bonne activité secondaire. Donc ils ont un sol avec de l'uranium.
Bah honnêtement, ils auraient eu, ils vont peut-être pas vraiment avoir de problème d'argent du coup. Ici. Mais bon, s'ils essayent de l'extraire eux-mêmes et qu'ils sont pas qualifiés et qu'ils n'ont pas le matos. Tissu, oreiller. Oh! Oh, je me demande si c'est fait exprès ou pas. Voilà. Il y a les deux. Ouh, vous pensez que c'est... Ouh, j'ai l'impression que c'est scripté, ça. J'ai l'impression que c'est scripté, ça. Genre, avoir une, un temps comme ça, directement après avoir lu le papier. Par contre, le bleu, il va où? Or, attends, moi c'est quoi que je veux? C'est ça? Ah non, non, moi ça c'est pas l'histoire ça. Ah mais non, mais ça leur... Non, non, moi je veux l'histoire. Oh mon dieu, il y a plein de trucs. Allez, allez. T'es sérieux là? Sans déconner? On fouillera plus tard. Faut faire gaffe quand même. Je vais me mettre en hauteur, regarder un peu à droite, à gauche. Ok, radio. Faut monter. Je vais être honnête, je pense, je suis quasiment certain que c'est scripté, hein. Parce que c'est comme un peu quand on répare les tours, vous savez, normalement la nuit d'après, ça va toujours être une nuit aurore boréale. Maison détruite. Maison qui a pris feu, je pense. Territoire du chef. Là. Le squelette. Cool. Il y a le temps, il y a plus d'un bruit quoi. Une page extraite d'un journal. Cette mine est un cimetière. Cela, ce sera peut-être le mien et je ne fais pas attention. Si je ne fais pas attention. Ici, les loups se portent mal. Le sol est si pollué, c'est affreux. Je ne sais pas qui c'est, ce qui s'est passé, mais c'est bien pire que tout ce que papy m'a raconté au sujet de la Langstone Corp et de la grande époque de l'extraction d'uranium. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Il y a des ténèbres plus sombres, d'autres mystères cachés au fond de ces tunnels. Je ne peux pas accéder au niveau inférieur sans m'étouffer, mais on dirait qu'il y a une voie praticable qui y mène. Il faut juste que je trouve un moyen de respirer au milieu des vapeurs toxiques qui émanent du sol. Il y a aussi une zone bizarre qui est fermée à clé, à côté de l'accès aux voies supérieures. Ah, c'est peut-être la porte qui demande la clé de la mine. Derrière le concentrateur abandonné. Et puis il y a cet hélicoptère qui s'est écrasé dans les collines au-dessus. Oh bon? Au-dessus des anciens réservoirs. Il faut que j'aille le voir. Il y a peut-être des outils à récupérer là-bas ou dans le concentrateur et le bâtiment de chevalement. Mais pour le moment, il faut que je me repose. Désolé, j'ai pas vraiment très très bien lu, mais... Ok. Ah ah ! Alors, fouillez les sites de crash pour y trouver des informations sur des outils. Oh, des outils ! Vous pensez que ça va être le coupe-boulon, là ? Ce qu'il nous faut ?
J'imagine que le coupe-boulon, c'est en rapport avec, avec l'histoire. Bon, là, par contre, on a plus de... Faut que je vire les livres qu'on a récupérés. Il y a encore des loups. Il y a un pont ici. Okay. Donc, il a dit dans les hauteurs. What the fuck? T'as pas peur de moi? Moi aussi, quand même. Je me suis dit, c'est un lapin en peluche. S'il bouge pas... Attends. Ah, planche, ok. Ouais, là, ça fait bien du bruit quand on... Quand on est... Putain, vas-y, tu m'as fait peur, ça. Ok. Attends, radio. Oui, mais attends, putain, j'ai pas le temps de fouiller. Aïe, aïe, aïe. Attends, déjà on va virer tous ces livres là. Ok. Juste laisse-moi fouiller deux secondes quoi. Je suis sûr que le pont là qu'on a vu il mène à quelque chose. Mais bon, on n'a pas vraiment le temps. Je sais pas ce que c'est. Vous connaissez le périmètre de la radio ou pas? Ça c'est un truc que j'ai voulu regarder mais j'ai pas trouvé. J'ai regardé 3 secondes aussi. Mais... J'aurai combien de mètres? Je sais plus si on peut le voir sur la description. Bon, du coup, il faudra revenir vers les montagnes. Pardon, vers le village. Après on va faire un feu. Je pensais pas qu'on allait trouver des trucs directement honnêtement. J'ai un peu peur de là. Attends. Non c'est bon. Non il vient de derrière le loup. Ah, ok. Mais c'est pas un hélicoptère que t'es censé me trouver. Ah, mais non, mais c'est... On est dans le jaune, pardon. Okay, cool. Ok, on n'a plus rien. Oui, on était jaune, on n'était pas bleu. Nous, c'est bleu pour l'histoire. Bon, ok, c'est bien. Bon, maintenant, on a tellement couru que je suis complètement perdu. Toxique. Putain, c'est quoi qu'on voit là-bas? C'est une grotte. C'est bien parce qu'on vient de se soigner du chimique et on vient juste de remarcher dedans. C'est cool. Ça fait plaisir. Bon, on va retourner vers les maisons si j'arrive à les retrouver. Je pense qu'elles sont vers la droite en descendant. Ça va, ça se passe bien, c'est marrant. Je crois que c'est de ce... c'est pas de ce côté plutôt. Je suis perdu, ça y est.
on est vraiment beaucoup monté, non? Pas du tout, ok. Aucune idée. Bon, ce qu'on va faire, on va aller au deuxième camp qu'on avait trouvé là, avec les maisons brûlées. Il y a un endroit pour faire du feu là, quand on a trouvé les gros bois là, les grosses bûches. On pouvait faire du feu dans le bidon, donc on va faire ça. Il faut un peu retrouver mon chemin, mais... Je pense qu'on est plus proche de ça que du premier camp avec les maisons. Bon après, si jamais on trouve rien du tout, je fais un feu en plein milieu. Je crois que c'est putain... Oh là là, on voit rien du tout. Arbres coupés, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de l'activité humaine. Non, je suis perdu. Non, non, complètement perdu. Va falloir attendre que ça passe. Parce que là, je vois pas du tout. Non, là, je vois pas. Trouver une grotte. Il y a encore des champignons que je voudrais récupérer. Ouais, non, là on a dû le passer. Honnêtement, on doit pas être loin. On doit pas être loin, vraiment, des camps. Mais je vois rien du tout. Où est-ce que je suis? Il y a un truc en bas. Il y a un truc en bas et je sais pas ce que c'est. Ça marche lentement. Ok. C'est... Ah, c'est un loup normal? Il grogne pas, rien. Bizarre. Faire un feu. Je pense que c'est un loup normal. Oh! Ah mais attends, là on est près des rails, donc ça veut dire qu'il y a des loups... Ouais, il y a du toxique aussi, je suis sûr. Je pense devant, là, il y a du toxique. Ah, oh, mon dieu! Putain, on avait des maisons et tout, je suis perdu maintenant. Toxique là. Toxique là. Le toxique là. Je vais être dans le toxique depuis un moment. Non, ça va. Bon, on va se placer quelque part, on fait un feu. Là, je commence à... Ah, on peut se mettre là. Ah, bah tiens, on doit être à côté. Je l'ai vu, ça. On est à côté des maisons. Je me rappelle de ça. Bon, on va aller dans la maison. On fouillera ça après. Oui, j'aurais dû penser aux rails. On avait vu la locomotive, là. Enfin, la locomotive, le wagon sur les rails. J'aurais dû y penser. Les rails passent devant les maisons. J'aurais dû vraiment y penser. Ça, c'était bête de ma part, ça. Au lieu de me perdre bêtement.
Bon, là, ça a été un peu hardcore. Ouf. Bon, là, ça a été un peu hardcore. Là, on a... risque d'hypothermie, il est à 50%. On a toujours l'insomnie, ce qui est un peu embêtant. Mais bon, honnêtement, encore une fois, on a plein de boissons et tout, si jamais on a des problèmes. On va continuer à fouiller, parce que je crois qu'on s'était arrêté, vu qu'on avait capté un truc. Alors, j'imagine que les loups, ils peuvent pas venir, mais on sait jamais. Ah, par contre, il y a... du coup, il va falloir faire attention. C'est sympa qu'il y ait beaucoup de bâtiments et tout ça. Ça, c'est cool, ça. Ça fait plaisir. C'est honnêtement une zone beaucoup plus simple à sur... Techniquement, c'est marrant parce que... Mais... On va dire que chaque région a sa difficulté. Ici, c'est le combat, la difficulté. Mais si vous gérez le combat, en fait, cette zone est plus facile que l'aéroport, par exemple. Parce que l'aéroport, c'est du plat, il n'y a rien pendant des plombes, si vous voulez voyager. Et du coup, la difficulté, c'est le temps, la différence. Moi, je préfère à la limite cette zone-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver. Et puis bon, après, il y a du combat, quoi. Mais voilà, je fais attention, j'ai l'habitude. Ah, du coup, on peut prendre de l'eau, j'imagine. J'ai même pas besoin de faire de l'eau. Ah, y a pas beaucoup, par contre. Mais j'ai même pas besoin de faire de l'eau. On va tout prendre. Et après, on fera un peu le tri de l'inventaire. Très bien. Je vois pas grand-chose. Il y a des rideaux partout, ce qui est bien. Pas grand chose. Ok, je pense qu'on est bon. Donc du coup on peut dormir ici. Ça marche, on va se mettre accroupi parce que... Voilà, pourquoi pas. Alors, fais voir un peu. On va manger ça. Est-ce qu'on fait un feu ou pas? Je dirais non. Je dirais non, pas besoin. On a beaucoup de bois, on va peut-être le laisser ici. Il faudrait qu'on dessine, ça on dessinera le lieu. Quand il fera jour. Je vais voir si on peut dormir autant. On a la tisane. Je crois que la tisane c'est 6 heures. On aurait pu dormir 6 heures. Prendre une autre tisane. Dormir 6 autres heures. Ah bah vous voyez, on a récupéré... quasiment la totalité. Nickel. On a toujours l'insomnie par contre. C'est combien l'insomnie? 25 minutes, bah, ça va. Fait bientôt jour. Nickel, nickel, nickel. Il n'y a aucun problème, c'est cool. Voilà, on réduit un peu notre poids. Est-ce qu'on a... On n'a pas dessiné, hein. Donc on sait pas vraiment où on est, hein. On doit être... Alors attends, si les rails font ça... Attends, le haut c'est où là? Le haut c'est là-bas, du coup. Attends, les rails font comme ça pour nous? Genre les bâtiments de con ils sont sur le côté droit en fait. Ouais, les bâtiments, ils doivent être genre là. Et parce que les rails font comme ça. Donc on est techniquement pas très 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 loin. Ça serait bien qu'on puisse remettre les rails en état. Enfin, techniquement, non. Il faudrait des outils, il faudrait de la maintenance et tout ça. Mais à la limite, s'il y avait des rails qui étaient en bon état, genre mettre une petite locomotive en état et puis qu'on puisse l'utiliser, ce serait cool, ça. Un truc au charbon, ce serait marrant. Alors du coup, on va en profiter. Alors, fais voir ça. Là, c'est bien qu'on ait ça, c'est le plus important. Comme j'ai dit, c'est renouvelable et ça permet de se soigner. Ça aussi, c'est cool. Oh, on en a beaucoup de ça, c'est cool.
Alors par contre, maintenant, il nous manque un peu de nourriture, j'avoue. Non, mais bon. Techniquement, il nous manque un peu de nourriture. Parce que vu qu'on trouve pas de loup à manger ou de choses, on a un problème avec ça. Plus on reste vers le centre et plus on aura des problèmes en fait. Il faut prendre beaucoup de nourriture avec nous à chaque fois. Ah, très bien. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, quand ils ont sorti la. Quand ils ont sorti en fait. Ah, très bien. La cuisine, j'ai arrêté de faire ça. Putain, il fait froid. Campement. J'ai arrêté en fait de transformer directement tous les champignons, les baies, tout ça, directement en préparer, parce qu'après en fait on peut directement les utiliser pour faire de la cuisine, ce qui est mieux, techniquement, parce qu'on en a tellement. Mais là maintenant avec le rajout du thermos, je préfère les faire, comme ça on peut tout le temps le blinder, si jamais on fait du feu évidemment, mais on pourra tout le temps le blinder de liquide en fait qui est extrêmement chaud. Mais bon, je suis un peu déçu, je pensais que ça durait plus longtemps. Au final, ça a l'air de durer quelques heures, pas plus, quoi. Dans le jeu. Je suis un peu déçu de ça. Après, dites-moi si je fais un truc mauvais, parce que, je sais pas, les gens me disent qu'on peut le réchauffer. J'ai vu aussi un commentaire, c'était un anglais sur une vidéo anglaise qui parlait de ça. Parce que vu que maintenant j'ai fait quasiment. Enfin, je connais bien la zone, je regarde un peu comment les gens s'en sortent. C'est marrant à regarder la plupart du temps. Il est marrant ce qu'il y a. Ah, il est comme ça ce qu'il y a. Okay. C'est assez drôle. Les gens ont du mal. Donc je regardais ça. Et il y a une personne qui disait que ça, on pouvait genre réchauffer tout plein de thé en même temps, mais non, je sais pas, ça marche pas pour moi. Donc je sais pas trop. En tout cas, on va se concentrer un peu plus là. Ça peut être un très bon camp ici, hein. Ça peut vraiment être très très intéressant. Surtout que beaucoup de tissus, si vous avez énormément de vêtements qui utilisent du tissu, bah oui, c'est une très bonne chose là. Ouh. Sympa, sympa. On va prendre ça aussi. Ah mon Dieu, il y a encore une. Un brouillard électrique. Non, attends. C'est bizarre, ça fait le même son comme si on était dans le toxique. C'est pour ça que j'ai été surpris. Genre un son un peu étouffé comme ça. Il n'y a rien au-dessus des casiers. Alors attends, on a fait ça, on a fait la voiture, donc on a fait celui-là, la voiture. On va récupérer tout, absolument tout ce qu'on trouve et après on fera le tri. Donc de ce côté gauche, il y a encore des loups, faudra faire gaffe. J'ai fouillé ça. Oui, je crois que j'ai fouillé ça. On a le wagon à faire aussi. Il faudrait se réchauffer un peu. On va passer un peu plus de temps à l'intérieur pour se réchauffer. Ah, j'ai pas regardé le capot, sous le capot de l'autre voiture. Les radios fonctionnent ou pas pendant le ça? Non.
Pourquoi il y a des plumes? Sûrement un cadavre. Ouais, il y a un cadavre. Serre un peu les dents. On est en train de fouiller pour le moment. Oh. Là, il y a ça à fouiller après. Ouais, il est là-bas. Pour savoir la... Merde. Plus ou moins avec précision, où sont les loups? Honnêtement, jouer à Tarkov. J'aime bien la faire, ça. Jouer Escape from Tarkov. Non, mais quand vous entendez un loup, en fait, tournez un peu sur vous-même. Et comme ça, vous savez la direction, si ça vient de l'oreille droite, l'oreille gauche et tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent aussi qu'ils ont du mal à savoir d'où viennent les loups. Quand ils les entendent, du coup ils savent pas vraiment d'où va venir l'attaque. Bah ouais, non mais en fait c'est super simple, vous bougez. Après là c'était passé sur mon oreille gauche, donc je sais que c'est par là. C'est tout con, faites ça. Hein. Ah, des bottes chimiques, x2. Cool. Ouais, du coup on peut en avoir plusieurs, c'est bien ce que je pensais. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Parce qu'on peut pas les réparer, c'est un peu débile honnêtement. Je vois pas pourquoi on peut pas les réparer. Après on peut dire oui c'est des bottes spéciales machin, bah à la limite je sais pas, du cuir. Ouais je sais, on a 56 kilos, c'est énorme. J'avoue que c'est énorme. Ah, attends parce qu'elle est, c'est vrai qu'elle est, elle est méga lourde là. Bizarre, ça résonne ici. Bon, déjà, ça sera un peu moins lourd. C'est quoi qui nous pèse lourd en fait? Ouais, enfin tout en fait. Non, oui, non, tout. C'est quoi qui pèse lourd? C'est tout, parce qu'on a trouvé un peu de tout. Du coup, c'est compliqué. Il n'y a rien. Ça, des ouvre-boîtes, on en trouve. Oh bien, je vais voir. Wow, attends, combien? Eh oh, je suis en intrus moi. Mon Dieu. Mais moi, j'ai pas l'habitude de voir autant de choses. Non, attendez. Ouais. Pour regarder tout le temps si on n'est pas trop près de la bordure là pour les zones toxiques. Parce que vu que le... Alors ça, je pense que c'est un petit bug. Hein. Que le jeu vous le dit pas directement si vous êtes dans le toxique. Du coup, on n'a pas trop le sentiment de s'en rendre compte, en fait. Je crois qu'il le dit que quand vous passez les 10% ou les 15%. Eh mais moi je suis en intrus là, tu me donnes trop d'objets, moi je suis perdu, je sais pas quoi faire, hein. C'est la fête. Hein. Moi je vais les jeter tout ça. Ah mais c'est bien, du coup ça nous, on pourrait faire de la cuisine, j'avoue. Par contre on a trouvé quoi? Genre une boîte de sel. Et c'est à peu près tout, je me rappelle plus. Ok là on a un 6, un fois 6 ça c'est bien. 1 x 6, ça c'est cool. Ça se fait plaisir, ça. Bah ici, c'est une bonne zone pour rester si vous voulez faire... Enfin, quoi que non. Non, c'est une zone pourrie au final. Enfin non, la zone est sympa pour y vivre. Mais niveau nourriture, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien à chasser. Donc non, mais restez pas là, quoi.
conseille vraiment pas de rester là en fait. Alors, on va aller toucher le cadavre. Et il faut qu'on se vide l'inventaire. Je sais pas où mettre mes objets en fait. Alors attends, on avait vu un cadavre. Là. On peut pas faire de feu. Je dirais que l'intérieur du premier bâtiment est le plus intéressant. Parce qu'il y a des lits, tout simplement. Ce bruit va être bien chiant. Merde, attendez. Faire ça. On a mis tout le bois à l'extérieur, c'est déjà ça. Ce pack est devenu trop heavy to carry. Le bruit que ça fait, hein. On va peut-être rester là encore une nuit. Attends, il est quelle heure? Ouais, non, je n'ai rien dit. On va pas rester là, on va... D'abord, je vois un peu mon inventaire, comment il se passe, et je voudrais aller voir le wagon. Et après on gère le reste. Ouais non je peux pas en faire comme ça. Ah putain. Ah c'est chiant ça. Attends, on va se mettre là. Ok, pas mal. Pas mal, 48 kilos. Après on a donc des bottes chimiques supplémentaires. Ça. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ça. Voilà, pas mal. Pas tout boire, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller fouiller donc le wagon, je pense. Je crois que là, on a tout fait. Le seul truc qu'on pourrait faire encore, ce serait de faire le tour de ce bâtiment. Là, j'ai vu qu'il y avait des baies qui traînaient, tout ça. Donc, on va peut-être prendre ça. Mais on va prendre ce qu'il y a dans le wagon. Et on va sûrement revenir sur nos pas et dormir. Et ce sera la fin de notre épisode, je pense. Pour pas trop s'éparpiller. Strictement rien en fait. Toxique ou pas? Non. Par contre, j'ai vu un grillage. Ah oui, il y a aussi un truc que je le dis pas, ça, je le dis jamais, parce que j'y pense jamais en fait. Depuis qu'on peut faire des trous pour pêcher,
Bah, du coup, dès que vous voyez de la glace, en fait, techniquement, vous pouvez pêcher. Et c'est vrai que depuis le rajout maintenant du scorbut, alors moi je l'ai pas parce que moi je suis un badass, mais depuis le rajout de ça, parce que le poisson, hein, putain, donne de la vitamine C, hein. Mais du coup, vous pouvez faire ça. Vous pouvez pêcher plus ou moins où vous voulez en fait maintenant. Tant qu'il y a de la glace, bien sûr. Donc c'est vrai, parce que j'ai vu des gens le faire en fait ici. Genre, il y avait un mec, il disait, genre, j'ai pêché à la zone de contamination. Et sur le coup, je me suis dit, mais comment il fait? Enfin, parce que nous, on n'a pas vu de petites maisons et tout ça. Et oui, mais en fait, non, il fait un trou, quoi, tout simplement. C'est tout bête. Il fait tout simplement un trou. Donc ouais, c'est vrai que ça, j'y pense jamais, honnêtement. Le fait qu'on peut avoir maintenant du poisson où on veut, au final. Et c'est vrai que ça va bien avec le scorbut, dans un sens. Parce que vous pouvez plus ou moins le traiter, en fait. Ça, c'est un truc aussi, si jamais je trouve un moyen, ou alors si Interland rajoute l'option, j'essaierai de le rajouter dans ma partie, le scorbut. De toute façon, on a plein de nourriture et tout, donc techniquement on peut le traiter. Mais bon, après, c'est vrai que ça rajoute pas vraiment du gameplay. En gros, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais pêcher de temps en temps. Super, quoi. Donc, bon, je sais pas si c'est vraiment très très intéressant en fait. Mais là, par exemple, on peut ou pas? Ça m'étonnerait. Créer un trou de pêche, il faut la glace couvrir. Ouais, non, ça c'est pas bon, ça. Non, ça, il faut genre, vous rappeler le tuyau qu'on avait suivi à un moment pour partir. Ben, en gros, là, il y avait un lac gelé, quoi. Donc là, on peut sûrement pêcher. Très bien. Très bien, très bien. Et ben du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais manger les sardines, ça nous donnera des calories. Parce qu'on n'a pas de viande sur nous. Je pense que tout ça, on va le ramener à la maison. On va potentiellement utiliser. Je vais voir la carte. On va potentiellement utiliser le travois. Parce qu'on n'est pas ultra loin. On n'a qu'à suivre les rails en fait. Quoique non, nous on a fait ça. Alors est-ce que si on suit les rails, on peut directement genre tracer? Je sais pas. Je pense que peut-être qu'on va se prendre des toxines, donc peut-être pas, mais il faudrait que le brouillard arrête en fait là, s'arrête, parce que sinon on va pas pouvoir avancer très vite. Donc ça c'est un peu un problème. Hop, ça me donne un peu d'eau. Donc ouais, on va dormir. On va dormir 1 ou 2 heures. 2 heures. 2 heures. 2 heures. Je prendrai peut-être un peu du tissu. La prochaine fois, donc, on va faire le début de l'épisode. On va, genre, rentrer à la maison, récupérer tout ce qu'on a là. Et on va à la maison. Et après, je pense qu'on va sûrement repartir encore dans la même direction. Genre, on va essayer de faire ça là. Genre là, par exemple. Et on va essayer de suivre les rails, si on peut. Le travois avait pas l'air de prendre de dégâts quand on est dans le poison. Après, j'ai peut-être pas vraiment envie d'aller dans le poison non plus pendant très longtemps. Mais c'est vrai que si nos vêtements en fait s'abîment pas grâce aux bottes, bah du coup on peut techniquement rester un peu plus longtemps, hein, évidemment. Donc il n'y a pas vraiment trop de problèmes par rapport à ça. On est vraiment fatigué, fatigué ou pas? Non, pas vraiment. À 3 heures. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.
tired.